S'il est une chose que les développeurs de jeux vidéo n'ont pas mis longtemps à rapidement comprendre, c'est que quand on fait un titre, ce qui est vachement intéressant, c'est de faire la suite. Parce que quand tu fais la suite, bah, tu reprends la même base, c'est autant de boulot économisé. Et puis en changeant pas grand-chose finalement, t'arrives à faire rentrer l'artiche, comme on dit. Bienvenue à toi dans ce nouveau stream de The Big Game Husky. Il est 19h et nous allons encore disséquer un shmup des mid-80s, un shmup je vais vous trouver la date exacte, hein, puisque on va parler de Xevious, mais pas de Xevious, le Xevious, c'est comme le cheese, voilà. Le Xevious, on l'a déjà fait, donc on est en 86 et là on va parler de Super Xevious. Parce que Namco, dans sa grande intelligence, s'est dit. Alors, ça a marché pour les invaders, parce qu'on en a refourgué combien déjà? Un, deux, trois, moi je compte plus les copies qu'on a laissé faire aux autres, mais on se gratte dessus. On a quoi en licence, Charlie? Xevious? Oh, 5 ans que ça dort? Ok. Bon, bah on va faire un super Xevious. Mais une annonce, on cherche un graphiste. Warhammer? Non, pas besoin, on a déjà. Je suis médisant? Pas tant que ça. Alors Xevious, c'était bien à l'époque parce que c'était nouveau. C'est le phénomène waouh. Vous avez un vaisseau, vous tirez, et en plus vous avez une cible pour shooter au sol. La classe. Ceci dit, le gameplay est lourd. Pas tôt même, je dirais. Ça n'a rien à voir avec les locks des jeux des années mid-90. Et on va voir si Super Xevious se traîne le même défaut que son ancêtre. C'est-à-dire une visée au sol qui va nous gonfler plus qu'autre chose, quoi. Alors, je regrette de ne pas vous avoir mis la musique à fond, puisque là, on a quand même un registre de purée audio. Parce que je peux pas mettre d'autres noms pour ça. Hein. Et niveau purée audio, c'est. Les mecs, il y a eu 5 ans d'évolution, assez fabuleux, hein, d'ailleurs. Entre le premier titre et celui-là, mais ils ont fait non. Monter la résolution? Non. Pourtant, ils pouvaient. Améliorer la musique? Non, regarde. L'handicapé qu'on a pris pour faire la musique. Il est toujours là. Il est pas mort. Non, non, non. Eh, c'était les pics du fauteuil roulant qui. Voilà. Non, il est pas mort. Donc, on va lui laisser faire la musique. Et puis, les gens, ils vont voir. Oh, c'est un nouveau Xevious. Donc, ils vont venir dedans. Et on va rentrer noir de caillasse. Grosso merdo, je pense que j'ai bien résumé le jeu parce que là, si vous voyez le principe, il y a rien de fabuleux quoi. Chez les voisins, c'est plus joli. Chez les voisins, il y a plus de gameplay. Xevious, que viens-tu faire là? Alors là, je viens de recevoir un fax. Oui, un fax. Je viens de recevoir un fax de l'équipe de développement qui me dit: Apparemment, nous, ça a bien marché ce super Xevious. On va peut-être le faire en 3D. Je vous laisse regarder dans les streams, j'ai déjà fait Xevious 3D et. J'ai un problème d'antipathie avec ce titre, je pense, avec cette licence tout entière. Ce jeu m'est antipathique, mais au possible. Et c'est en grande partie à cause de sa BO, quoi. Parce que les arpèges répétitifs. Je regrette que vous n'ayez pas le son fort. Je vais parler très doucement, volontairement, pour vous forcer à monter le son. Je vais faire un moment de silence même. Oh, game over, c'est dommage. Alors on me dit en régie qu'on n'a pas fait les 5 minutes. Donc je vais prendre le temps de monter le son combien il faut. Ah oui, non mais c'est. Je vous ai promis qu'il n'y aurait pas que moi qui souffrirais. Et on y retourne. J'espère que vous l'avez bien le son. Mais quel chien, c'est intergalactique ce jeu. Je suis désolé, je peux pas. Je fais tout mon possible en général pour sauver les titres. Et puis trouver un minimum de choses sympas à dire dessus. Mais franchement, Super Xevious, à part une opportunité commerciale, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Il est aussi pourrave que le premier. On va dire les choses comme elles sont. Hein.
Tu l'entends? Tu l'entends? C'est mon cerveau qui est en train de fondre et de couler par mes oreilles. Tout ça à cause de ce BO. Donnez-moi un flingue. Avec numéro, il est qui a fait ça. Jean-Michel Bruitage? Non, c'est pas lui. Visez des trucs de qualité au moins. Oui, oui, par derrière, vas-y, profite. QA? On n'a pas le droit de rester dans les nuages? J'ai pas vraiment compris honnêtement ce qui venait de se passer. On va éviter les nuages par prétention. Je me casse là-bas. Voilà. Non, je me casse pas là. Tu te casses tout court, tu as fait game over et il est hors de question que tu remettes un seul crédit dans cette borne. Super Xevious, tu es dans la malle au grenier, archivé soigneusement. Et tu ne mérites pas vraiment qu'on revienne s'attarder sur ton cas. Je te le dis en vérité. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles, celle généraliste et celle des shmups. Et je vous donne un petit strip bonus parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été super glorieux. Je vous dis rendez-vous à demain, 19h. Ciao.